Offrandes en vérité. Il est passé le temps des troupeaux de bœufs et des entrailles de moutons. Voilà où en sont les sacrifices. Les dieux s'en vont, les dieux s'en vont. Pas tous, Seigneur. Voyez Vénus. Le fait est qu'il n'y en a plus que pour elle. Depuis que, grâce au berger Paris, elle a vaincu Junon et Minerve dans le concours du mont Ida. Tandis que ce pauvre Jupiter, le père des dieux et des hommes, cependant, c'est fou ce qu'il est en baisse. Et le tonnerre, a-t-on apporté le tonnerre? Pas encore. Nous ne pouvons nous passer de tonnerre aujourd'hui, la journée sera chaude. La fête d'Adonis présidée par notre gracieuse souveraine. Une pareille journée ne se passera pas sans oracle. Il n'y a pas d'oracle sans tonnerre, il me faut mon tonnerre. Le forgeron Euticlès m'a bien promis, et le voici. Et le voici. Et le voici. Euticlès, suis-je en retard? Mais si vous croyez qu'il n'y avait pas d'ouvrage, et il était dans un bien joli état, votre tonnerre. Il faut vous taper là-dessus, mais comme un four, hein. C'est Philocombe qui tape. Il tape dur et il a raison. Il faut frapper l'imagination des peuples. Fonctionne-t-il bien à présent? Bah, écoutez plutôt. Oh, mais veux-tu bien finir? Le peuple va croire que c'est Jupiter. Il faut ménager ses effets. Pardon, je ne savais pas. La journée commence. Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis conduites par notre gracieuse souveraine. Ah, c'est aujourd'hui l'anniversaire? Oui. C'est à pareil jour que Vénus, courant au secours d'Adonis, déchira ses petits pieds et de son sang divin fit la couleur des roses. Blanche avant cet événement.
Allons, fille de Combe, dépêchons-nous d'aller remettre ce tonnerre à sa place, il n'est que temps. Oh, mais chut, malheureux! Le sacrifice attendra. Vous allez dire que je suis folle. Ah ça. Oh, grande reine, le respect. L'affaire du mont Ida
J'y pense sans cesse. Ces bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme et ce berger surtout. Est-il vrai que pour remercier ce berger, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Cela paraît officiel. Mais la plus belle femme du monde. Mais c'est vous, grande reine, absolument. Taisez-vous. Alors, si cela était elle, toujours elle. Qui, elle? La main de la fatalité qui pèse sur moi. C'est vrai. Ma naissance, d'abord, vous la connaissez. Qui ne la connaît pas? Ce signe traqué par un aigle que les assauts battent dans ses bras. Ce signe-là, c'était mon père et l'aigle, c'était Vénus. Cruelle Vénus. Vous voyez bien, Calcas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Et cependant, savez-vous ce que j'aurais voulu être? Non, fille de Jupiter. J'aurais voulu être une bourgeoise paisible. Au lieu de cela, voyez quelle destinée. À 16 ans, enlevée par ce fou de Thésée, pendant que je dansais avec abandon dans le temple de Diane. Mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai pu croire que j'arrivais au port. Le port, c'était Ménélas. Oui. Bon et excellent homme. J'ai tout fait pour l'aimer. Je n'ai pas pu. Que voulez-vous? Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et que va devenir ce beau et excellent homme? Dame, puisque Vénus l'ordonne. C'est la fatalité. Et quand je traverserai la foule du haut de mon char, j'entendrai, comme tout à l'heure, une voix qui sortira des rangs du peuple et qui dira « Ce n'est pas une reine, c'est une cocotte. » Minute, grande reine. Oui, mais est-ce ma faute à moi? La fille d'un oiseau, est-ce que je puis être autre chose qu'une cocotte? Grande reine, voici venir le jeune prince Oreste. Mon coquin de neveu, il est gay? Ah, ça! Mais il vient de se coter à ces fâcheuses sociétés. Ah, il ne faut pas trop lui en vouloir à lui non plus. On n'est pas impunément de la race des Atrides. Cette nuit j'ai soumis mon pied avec ses noms de collade où ce que l'agresseur mieux c'est Marthénis et Mélina qui parlait de vouloir connaître. Pouvais-je m'attendre à cela? Mesdames, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Marthénis et Mélina. C'est Marthénis et Mélina. C'est Marthénis et Mélina. C'est Marthénis et Mélina. C'est Parthénis et Mélina. C'est parti.
Calchas demandé, Calchas le grand augure, Calchas l'oracle officiel, Calchas le confident de papa. Seigneur, un sacrifice pressé. Un sacrifice aujourd'hui? À quelle occasion? À quelle occasion? Vous parlez l'argos? Consomme bien. Et ce dialecte de l'avenir. À l'occasion de la fête d'Adonis. Mais nous en sommes de la fête d'Adonis. Nous sommes de toutes les fêtes. Seigneur, je vous en conjure, la fête est présidée par la reine elle-même. Ma tante Hélène, ah, je l'aime bien ma tante, mais elle aurait tort de faire la sévère, car elle aussi, elle a eu des aventures. Je sais bien qu'elle se rattrape en disant que c'est la fatalité. Mais après tout, ces dames aussi, c'est la fatalité. Seigneur ! Oh, ne vous fâchez pas, nous nous inclinons devant elle et nous partons. Au revoir, Calchas, mais il y a des choses à ma tante. Singlala, et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Oh, folle, folle jeunesse! Un mot, n'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter? Oui, c'est moi, mais je suis occupé. Un sacrifice déjà fort en retard. Le sacrifice attendra, je viens pour une affaire pressante. Si vous croyez que je me dérange comme ça pour le premier berger venu... Vous n'avez pas reçu une lettre de Vénus? Pas le moins du monde. C'est singulier, la colombe est partie devant moi. Vous savez que je n'y crois pas du tout à votre histoire de Vénus et de votre colombe. Vous n'y croyez pas? Non. Eh bien, regardez. Quoi? Là-bas, dans l'azur, ce petit point noir qui grossit, grossit, grossit. C'est un moineau. C'est ma colombe. Et c'est ma lettre. Oh là 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 là! Prenez la lettre, elle est pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle demande s'il y a une réponse. Il n'y en a pas. Le timbre de Cythère, c'est de Vénus. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour l'album de timbre de la petite princesse Hermione, fille de Ménélas, elle fait collection. Très bien. Homme de 20 ans, la tête blonde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calchas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle des femmes qui soit sous les cieux. Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calchas au berger montrera la reine en disant voilà. Voilà. Quoi? Ce serez vous, ce Paris, le fils du roi Priam? Mais on ne parle que de vous à Sparte et dans toute la presse, la Grèce. Et c'est vous qui avez prononcé ce fameux jugement? Moi-même. Si ce n'était pas abusé, je vous prierai de m'en donner un léger aperçu. Farceur, voici l'aperçu. Homoïde à trois déesses, cette reine est dans un bois. Qu'elle édise ses princesses, la plus belle de nous trois. Et Bohèque, cette déesse, pour enjoler les garçons. Et Bohèque, cette déesse, pour de drôles de façons. Oh, de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi,
Sa main tenait une pomme. Vous voyez bien le tableau. Ah, on l'a aimé, mon jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et voyez que ces déesses voudront joler les garçons. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. L'une dit, j'ai ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. L'autre dit, j'ai ma licence, mon orgueil et mon paon. Je dois l'emporter, je pense. Donne la pomme chez nous. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons pour enjoler les garçons. La troisième me dit, elle l'a pris tout de même, Calcasso m'entendait bien, et moi, que cette déesse poudre en chaude le garçon, et moi, mon compliment, Vénus l'ordonne, j'obéirai. Faut-il vous présenter tout de suite à la reine ? Soit, mais sans lui dire qui je suis, je désire conserver le plus strict incognito jusqu'au moment où la situation sera favorable à un coup de théâtre. Lors, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà ». Calcas ? Grande reine. Quel est ce beau jeune homme ? Un étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie et que je mets plus fier visage l'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Des vers, princesse. Sont-ce des vers ? Je ne sais. Cela m'est venu tout naturellement le voyant. Sa profession ? Berger. Bien heureuses les bergères, si ce n'est qu'un berger. Laisse-nous, Calcas. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Pourquoi suis-je si troublée ? Je suis troublée comme s'il allait se passer quelque chose de fatal. La voilà donc, cette femme dont l'amour m'a été promis. Oh, Vénus fait bien les choses. Bon jeune homme, n'es-tu vraiment qu'un mortel ? Les dieux, parfois, s'amusent à se présenter à nos yeux sous un déguisement. Oh, je ne suis qu'un mortel et pas déguisé du tout. Un berger. Un berger. Où donc est ton troupeau ? Tout là-bas. Là-bas, dans la montagne. Ah oui, 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 oui. Pourquoi l'as-tu quitté ?
On m'a dit qu'il y allait avoir un concours. Je suis venu dans l'espoir de me faire remarquer. Par ta beauté. Par mon intelligence. Ah, n'oublions pas la beauté. Tu es crânement beau. Oh, Vénus. Beau de face. Voyons de profil. De trois quarts, maintenant. Il est naïf. Il a tout pour lui. Non, de trois quarts par ici. Oui, non, l'autre côté, oui. Voilà. Lève un peu la tête. Ouvre la bouche. Admirable. Non, ferme la bouche. Ouvre la bouche. Non, ferme la bouche. Non, ouvre la bouche. Ferme la bouche. Ouvre la bouche. Ferme la bouche. C'est beau, un beau berger. Grande reine, le cortège. Il faut nous séparer. Je voudrais te revoir. Oh, vous me reverrez. Grande reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie. Allons cèdre le diadème et mettre un peu de rouge sur mes cheveux. Ça se fait beaucoup à Sparte. Mais qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom,
seul le dispense, seul le dispense, seul le dispense d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi va plus s'avance, plus qui s'avance, plus qui s'avance. C'est Agamemnon, Agamemnon. Le roi va plus qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi va plus qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. La reine. Trop tôt, mon fils, trop tôt. Je donne la parole au roi Ménélas. Je devais présider cette fête. Je n'ai pas l'habitude des luttes oratoires et je serais charmé que mon beau-frère Agamemnon voulût bien me suppléer dans cette tâche difficile. Vous me l'avez donnée. Je vous la rends! Mais c'est un vide, ça! Papa! Rois et peuples de la Grèce, cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Rendez des hommes forts, nous en avons. Ce que nous n'avons pas, ce sont des gens d'esprit. C'est vrai, c'est vrai. La Grèce s'abrutit. C'est vrai, c'est vrai. Et par les dieux immortels, cependant, il doit bien y en avoir quelque part des gens d'esprit. C'est afin de les découvrir que nous avons institué ce concours. Les rois, les poètes, les bergers... Les bergers ? Vous dites, princesse ? Rien. Veuillez vous asseoir, cher enfant. Les rois, les poètes, les bergers... Oh, les bergers! C'est pénible, hein? Tous, enfin, sont admis à se disputer le prix. Le vainqueur recevra des mains de la reine une couronne de feuilles de pin. Oh. Oui, j'avais d'abord pensé à une couronne d'or, mais je me suis dit... Pour des gens d'esprit, du pain, c'est bien assez. Ah. Et maintenant, jeunes élèves, élancez-vous dans la carrière et vous fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois en attendant que vous sonniez pour le triomphe du lauréat. Bravo, papa! Bravo! Peuple de la Grèce, écoutez la charade. Roi Ménélas, veuillez en donner lecture. De grand cœur. Alors, vous voyez, messieurs, les cachets sont intacts. Charade. Mon premier se donne aux malades. Mon deuxième, c'est vous ou moi. Le troisième de ma charade... convient aux gens de qui l'emploie, dans la ville ou la campagne, et de ramasser les haillons, les chiffons. Hot! Eh bien oui, le troisième, c'est Hot. Allons, l'abrutissement n'est pas aussi complet que nous pouvions le croire. Poursuivez, roi Ménélas. Mon quatrième est une rive où manque l'air absolument. Mon tout dans les chemins s'en va comme le vent, j'ai dit. Eh bien, allez-y, jeunes athlètes. À l'aide de tic, emmailloté. Gibelotte. 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 Voyons, voyons, procédons par ordre. Qui a dit anecdotique? Moi. Jacques Ier. Et comment expliquez-vous, Anne d'abord?
Eh bien, le roi Ménélas a dit, c'est vous ou moi. Oh, il va un peu loin. Vous auriez peut-être raison s'il s'agissait de la deuxième syllabe, mais il s'agit de la première, se donne aux malades. Pauvre homme. Allons, passons à un autre. Qui a dit emmailloté? Moi! Mais je le retire. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à celui qui a dit gibelotte, c'est d'en faire autant. Cela vaudrait pourtant la peine d'être discuté, car enfin, il y a hôte dans gibelotte. Il y a hôte! Allons, allons, à de plus malins. Eh bien, personne? Oh, lui! Un berger? Que veux-tu, jeune berger? Dire le mot de la charade. Jeune présomptueux. Il est vrai que cela serait d'un fâcheux exemple après que des rois... Parle cependant, parle. Mon premier se donne au malade, Locke. Oui, Locke, oui. Le Locke est une potion adoucissante que la pharmacopée arabe nous a transmise. C'est un petit peu gras, c'est... Voilà, c'est... Locke! Mon deuxième, c'est vous ou moi, homme. Oui, oui, homme, tout à fait. Le troisième de ma charade convient aux gens de qui l'emploie et de ramasser les haillons, les chiffons. Hâte! Mais ôtez-le! Ôtez-le! J'attends au quatrième. Oh, il est bête le quatrième, mais il n'est pas difficile. Une rive sans air. Yves. Locke, homme, hôte, Yves. Locomotive! J'ai trouvé! Locomotive! Et c'est très fort d'avoir trouvé ça 4000 ans avant l'invention des chemins de fer. C'est moi qui l'ai dit. Achille, vous me faites chaque fois la même chose. Taisez-vous. Le berger a gagné la première manche. Vainqueur, il est vainqueur. Fanfare, vous l'a connu. Ça joue faux, non? C'est vrai. C'est faux, mais c'est sur instrument d'époque. Ah. Passons au calembour. Posez la question, roi Ménélas, voici le calembour. Eh bien, la question... Eh bien, quoi? Mais elle est étrange, la question. Parlez, parlez. Quelle différence y a-t-il entre des cornichons et calcasses? Comment ça, il n'y en a pas? Mais cherchez autre chose. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai trouvé. C'est peut-être la réponse, cette unanimité. Non. Pas la réponse. Elle est là, la réponse. Je la vois, la réponse. Je ne la verrai pas, je croyais moi-même que... Le berger. Encore lui. Vous ne savez probablement pas la différence qu'il y a entre des cornichons et calcasses. Si. Eh bien, vous êtes un malin. Je m'adresse à calcasse et je lui dis. La différence n'est pas maigre entre des cornichons et toi. Ils sont confits dans du vinaigre, calcasse est confit dans du roi. Oh! Oh, oh, j'ai trouvé! Oh! Oh! Admirable! Oh! Très délicat! Bravo, jeune berger! Quidam et Paris, le fils du roi Priam. Paris! Au ciel! Au ciel! Au ciel! L'homme à la pomme! L'homme à la à la pomme.
vraiment, vraiment, j'en suis bien aise. Hélène, avec chagrin, eut de sa noble main posé le ver laurier sur le front d'un vilain, sur le front vilain. Couronnez-le, madame. Et maintenant, j'espère pour ce soir que dans le royal demeure, nous aurons celui de vous voir. Dis-nous, c'est heure où nous mettons à table à cette heure. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. C'est la fatale qu'il m'est sur mes pas. Eh bien, es-tu content? Je le serai bien davantage si Ménélas était absent. Si Ménélas était absent, si Ménélas était absent. Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Philocombe, à l'ouvrage! Jusqu'à la tête, je sens comme un frémissement. Par ma voix, Jupiter décrète. N'importe où.
tire marque, l'on tire marque que nous serons morts. Il sera pour ce bonheur que fâche de notre absent. Sera le tif qui se marque, tif qui se marque, tif qui se marque, mais bien le plus tard, bien le plus tard. Sera le tif qui se marque, tif qui se marque, mais bien le plus tard. Sera le tif qui se marque, tif qui se marque, mais bien le plus tard. Thank you.
Chef de loi qui vous a été demandé hier par le grand Agamemnon. Je garderai cette toilette. Et si j'en connaissais une plus austère et plus montante, je m'y voudrais emprisonner jusqu'au retour de mon mari. Heureusement que la réputation de madame est faite et que toute la Grèce sait bien que madame est la plus belle femme du monde. Ah, fatale beauté! Bing! Voilà ce que je craignais. Madame, voici le seigneur Paris. Je ne le recevrai pas. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours seront suivis? Tu les feras entrer tout à l'heure, cher Bacchis. Mais laisse-moi d'abord consulter ma mère. Bien, madame. Pauvre Ménélas. Oh, mon père, tourne vers ton enfant un bec favorable. Et toi, ma mère, inspire-moi. Oh, toi qui vois la honte où je suis descendu, implacable, Vénus, suis-je assez confondu? Cruel, pourquoi as-tu choisi notre famille pour faire tes expériences? Fille de Lida, j'ai fait quelques pays dans le monde, d'ici à Castres, etc. Et pour une bonne téléphone,
fâcheuse. Nous fûmes mal tournés malgré nous. Dis-moi l'exemple de ma mère. Lorsque la vie me signe à Dieu, qui vous le savez de mon père. Bonsoir, Prince. Bonsoir. Vous regardez ma toilette? Ouais. Elle me va bien, n'est-ce pas? Ouais. Vous n'êtes pas très aimable ce soir. Asseyez-vous, madame, et écoutez-moi. Vous faites peur. La déesse m'avait promis l'amour de la plus belle femme du monde. En vous voyant naturellement, j'ai pensé que c'était vous, mais vous avez résisté. Ça m'a fait venir des doutes. Je me suis dit, la plus belle femme du monde, ce n'est peut-être pas elle. Et qui serait-ce donc? Ce n'est pas cette chipie de Pénélope avec sa manie de faire des pâtisseries, des tapisseries, ni ma sœur qui est amnestre avec son nez. Que dis-je, un nez, un pic, un cap, une péninsule? Non, 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 non. Ce n'est aucune de ces femmes-là. Donc? Donc? Donc, ce doit être vous. Oh! Voilà maintenant un mois que nous en tenons au marivaudage. C'est un homme ordinaire marivaud, je comprends ça, mais moi, madame, moi qui ai quand même jugé les trois déesses, vous devez comprendre. Je vous comprends, mais ma réputation... Oh ! Nous retombons dans le marivaudage. C'est ce qu'il vous faut. Ma résolution à cela de bon, qu'elle est doublée d'une théorie. Il y a trois moyens d'arriver au cœur d'une femme. Trois moyens ? L'amour d'abord. Voulez-vous m'aimer ? Oh, non. Passons au deuxième moyen, la violence. La violence? Ah, vous n'oserez pas! Vous allez voir ça. Ah, comme il m'aide! Ah, princesse! Oh, la Bacchise, moi, Bacchise! Oui, ce n'est rien. Je voulais voir si tu étais là. Et le troisième moyen? Le troisième moyen, madame, c'est la ruse. La ruse? Ah, par Hercule, je me suis bien défendue! Quelle est cette musique? C'est Agamemnon et sa suite, madame. On apporte le jeu de loi. Voici le corps des lois, précédant le jour de loi. Voici la suite des lois, en signe de ma défaut. Voilà, 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 voilà. Je suis dans une situation! Après le jeu, princesse! Qu'est-ce que vous avez donc, Achille? Moi? Rien! Vous faites du bruit en marchant? Mais non! Mais non! Je sais ce que c'est! Il a fait cuirasser son talon. Eh bien, et après, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, puisque ma mère, en me plongeant dans le Styx, a eu l'imprudence de laisser émerger mon talon? Il était si simple de me plonger dans les deux sens. Comme ceci d'abord, et comme cela après. Et ça s'appelle un héros. Oh, fils de Télamon, vous me rendrez raison. Jamais de la vie, fils de Pélée! Est-ce qu'on se bat contre un mur? Tu me fais des excuses alors?
Évidemment. Voilà ce que je voulais. Et ne me blessez pas de les voir s'asticoter ainsi. Je les divise pour régner. Là est le secret de ma grandeur. Ah, mais... Va, ma petite chérie. Je vais reposer. Fais doubler cette nuit le nombre des esclaves qui gardent mon repos. Le troisième moyen, c'est la ruse, a-t-il dit. Je me méfie. Bien, madame. Grande reine, est-ce ici votre place? Quel trouble vous agite et quel effroi vous glace? Mon ami, que je souffre! Quel combat! Quel déchirement! Il est venu tout à l'heure, il s'est assis là! Je lui parlais durement, je l'ai chassé, quand tout de mon âme! Grande reine, les dieux vous soutiendront. Ce sont eux qui veulent ma perte. Vénus seulement. Mais les autres, on peut les décider à intervenir avec des sacrifices. Mais de vrais sacrifices, pas de fleurs, non. Des hécatombes, des victimes. Des victimes, pauvre Ménélas. Savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez venir avec moi à ce souper. Ah, pour ça, non, par exemple. Il sera peut-être, je crains ma faiblesse. Oh, je ne sais pas. Je vais rester ici et chercher le sommeil. Grande reine. Demandez aux dieux de m'envoyer des songes bienfaisants. Ah, si je pouvais dormir, et si dans mon sommeil je pouvais le voir. Le roi. Non. L'autre. Oui. Grande reine. Songe, rien qu'un songe qui me le ferait voir. Ce Paris que je fuis, ce Paris que j'adore, ce songe, quelqu'un, s'il me le faut, promettez-le-moi. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe? Entre bien dans mon cœur, un chagrin qui le ronge. La voilà qui s'endort. Elle est gentille comme ça. Oh oui, très gentil. Ah, tais-toi, tu la réveillerais. Paris. J'ai dit à la reine que le troisième moyen était la ruse. Ça, c'est Paris. Selon vos ordres, reine, j'ai fait doubler le nombre des esclaves. Chut, elle dort. La reine n'a pas besoin de vous. Elle est bien gardée. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Sois caresse sa divine beauté. Son abandon trahit la langoureuse ivresse de cette nuit d'été. Je resterai ainsi perdu dans ma tendresse jusqu'au lever du jour. Expirant tes pieds, princesse de l'engueule d'amour. Vous me croirez si vous voulez, vous me croirez si vous voulez, mais ça me rêverait. Ma parole d'honneur. Vous me croirez si vous voulez, vous me croirez si vous voulez, mais ça me rend rêve. Parole d'honneur. La Paris, mon garçon, ne perdons pas la tête, soyons audacieux. Et sachons-nous offrir la récompense honnête promise par les dieux. Approchons-nous, voici que je tremble et m'arrête, je ne sais trop pourquoi. Il fait nuit, je suis seul, Ménélas est en crête, et Vénus est pour moi.
parole, 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 parole d'honneur. Vous me croirez si vous voulez, vous me croirez si vous voulez, mais ça me rêveur. Parole d'honneur, parole d'honneur, parole, parole, parole d'honneur. Boris, près de moi, ce ne peut être qu'un rêve. Que dit-elle? Oui, c'est un rêve. Quelqu'un se l'a demandé. Les dieux me l'ont envoyé. Un rêve. Si seulement je pouvais passer pour un rêve. C'est le ciel qui m'envoie. C'est mon rêve amoureux. C'est toi. Quand j'ai couronné la déesse, elle était un peu moins, je n'en dirai pas plus. Et je comprends, je puis, je de la nature de vie, je vis des épaules divines, que cachait mal un flot de cheveux. Oh.
princesse, je t'admire. Et pourtant, je dois dire que sur le mont Ida, Vénus trouva moyen. Bref, je l'admire plus. Vénus est donc plus belle. Vénus est donc plus belle. Non, mais la beauté de Ria, sans un peu d'abandon, elle a le sang béria. Si me permitala, me permitala, deux ou trois baisers, appelons, c'est pour cela je crois que je la trouve belle. C'est pour cela je crois que je la trouve belle. Zeus! Mais alors, ce n'était donc pas un rêve! J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un cauchemar! As-tu fait bon voyage, mon ami? Oui. Oh, ça, ma femme, seule avec un esclave! Ah, beau pays, la Crète, hein! Oui. Ah, ça, oui, cet esclave, c'est le seigneur Paris! Mais pendant la traversée, la mer, pas mauvaise! Comment pas mauvaise? Le seigneur Paris, à 7 heures, seul avec ma femme, dans le gynécée! Mais c'est tout bon! À moi! Taisez-vous donc! Je ne me tairai pas! En pareil cas, cependant, un mari... Un mari ordinaire, soit! Mais je ne suis pas un mari ordinaire, moi! Je suis un mari épique! Époque! Je veux que dans 4000 ans, on parle encore de cette affaire! À moi, loi de la garnesse! À moi! Que voulez-vous faire? En pareil cas, mieux vaut se taire! Faut-il, Au guérin de deux cents des roses, et mon frère, et disons-nous les plus.
hélas. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je viens de la trouver seule avec ce seigneur. Répondez-moi, roi de la Grèce, vous qui deviez veiller sur la princesse, qu'avez-vous fait? Madame Honorée, qu'avez-vous fait de mon honneur, de mon Ooh!
reine et les dieux aussi. Ce n'est pas la peine de crier ainsi. Oh, Vénus ordonne, pourquoi s'insurger? Il faut qu'elle sonne, il faut qu'elle sonne. La dalle des bergers. Pardon, pardon. Oh, Vénus ordonne. Pardon, pardon. Pourquoi s'insurger? Que ça, car ce sont la mille qui me monte là. On n'a jamais dit file, et je sens qu'il me monte la mille. On n'a jamais dit file, et je sens qu'il me monte la mille. Jupiter, toi que l'on appelle le père des dieux, tourne ton regard vers nous, délivre-nous de nos infortunes. Que ton secours nous aide à surmonter notre terrible destinée. C'est assez des douleurs que nous avons traversées. Je vous prends à témoin, mon Dieu. J'entends pas. Je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin, oh Dieu, de vous étant de foi supplié de nous sauver, nous en prendrons des vraies dangers de chagrin. Il est temps enfin que je me relève.
chute. Orage. Oh, décidément, j'y arriverai jamais. Bouillante Achille ? Je ne sais pas. Vous
vous n'avez pas pris votre bain? Non, je n'aime pas, moi, cette plage de Nopi. Écoutons sans en avoir l'air. Quoi de nouveau dans nos plis? Pas mal de maris qui ont quitté leur femme. Pas mal de femmes qui ont quitté leur mari. Vous entendez? Les femmes, les maris, galanterie sur galanterie. C'est la vengeance de Vénus. Il faut absolument que nous en parlions au roi Ménédas. Sapristi, c'est papa! Vive le roi, le roi! Vous êtes reconnu. C'est ma foi vraie. C'est ma foi vraie, je suis reconnu. Tu trembles, Calcas. Oui, seigneur. Moi aussi. Allons nous habiller. D'autant plus que ma tenue manque tout à fait de dignité. Demain, je me baignerai avec ma couronne. Vive le roi des rois! Le fait est que la bise est un peu... Quelle idée! La reine a-t-elle eu de venir au bain avant la période habituelle? C'est afin de se remettre. Le séjour de Sparte lui est devenu insupportable depuis le départ de Paris. Pas fâché, moi, qu'il ait décampé celui-là. En voilà un qui me déplaisait. Pas à moi! Ni à moi! Affaire de pressentiment! Cet homme-là me tuerait un jour, que cela ne m'étonnerait pas. Oh, mais alors, ce n'était donc pas un rêve. Voilà la phrase que je vous supplie de m'expliquer. Wow. Je ne la comprends pas, cette phrase, et elle m'inquiète. Moi, Ménélas, je suis venue à Nopli pour tâcher d'oublier. Il n'était pas entré dans mon programme que vous vous promèneriez avec moi et que je ne pourrais pas faire un pas sans avoir près de moi cette figure. Mais voyez-la, cette figure, voyez-la. Comprenez-vous que vous m'agacez, que vous m'excédez? Oui, ça, à la rigueur, je le comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette phrase, vous savez, il y a 8 jours. Il y a 8 jours. Il me parle d'une chose qui s'est passée il y a 8 jours. Mais il y a prescription. Nullement, madame. Nullement, je vous somme. Il m'assomme, oui. Je veux une explication. N'oubliez pas, vous qui m'accusez, que c'est à moi que vous devez la couronne de Sparte. Il est vrai, je me plais à le reconnaître. Mais si ça continue, cette couronne, je serai obligé de la tenir à la main, ne pouvant plus la porter sur ma tête. Oh, 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 très drôle. Ah, 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 très, très drôle. Oh. La plaisanterie est vieille, mais présentée de façon moderne. De quoi m'accusez-vous enfin? La face est si amère à laquelle je ne me suis laissé aller. Vous le dites assez, de quoi je vous accuse? Eh bien, je vais répondre. Le retrait, je ne suis pas coupable, ni ma foi, je n'y comprends rien. Y'a qu'un il était adorable, loin des lois, ce prince troyen, de Vénus, il est délégué, cependant, j'ai résisté. Il se plaint si fort pour un rêve, il se plaint si fort pour un rêve. Que dirait-il, mon Dieu, pour la réalité? Woo!
vite. Je vous ferai crier pour la réalité. Oui, vous criez, oui, vous criez, oui, vous criez pour la réalité. Il se pleut, il se pleut, il se pleut, il se pleut. C'est pour avoir cette explication que j'ai attendu 8 jours. Eh bien, monsieur mon frère, c'est pour garder une femme qui vous traite ainsi que vous hésitez à sauver votre pays. Mais de quoi le sauver ? Du terrible fléau que Vénus a déchaîné sur la Grèce entière. La déesse a mis dans l'air des émanations subtiles qui font que les maris quittent leurs femmes et que les femmes quittent leurs maris. Tous ne succombent pas, mais tous en sont frappés. C'est ainsi que Vénus se venge. Et pourquoi se venge-t-elle, roi Ménélas ? Mais j'en sais rien. Elle se venge parce que vous l'avez contrariée. Parbleu, il aurait été agréable que ce Paris fût aimé de ma femme. Je me suis opposé, j'ai fait chasser ce Paris, j'ai bien fait. Vous avez bien fait comme homme possible, mais pas comme roi. Le mari doit s'effacer devant le monarque. Voyez ce qu'il en résulte pour vos sujets. C'est une débâcle, général. Lorsque la glace est un champ de canage, quand on y vole les maris, tu vises le au sein de ton ménage, au sein de ton ménage. Tu te fiches pas mal de ton pays, tu te fiches pas mal de ton pays. Voyez pourtant ce qui se passe. L'époux lâche l'épouse, et l'épouse à son tour de l'époux déserte l'amour. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Lorsque la Grèce est un champ de canage, quand on y vole les maris, que vise le au sein de ton ménage? Tu te vise ton pays, tu vis à mal. Mais ces malheureux accidents dépasseront les temps présents. Dans l'avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas. On les comptera par 100 000. On les comptera par 100 000. Si vous ne vous décidez pas, allons tirer tous en bas. Allons ça, dépêchez sa presse. Regardez l'état de la Grèce. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Grèce? Elle bout, la Grèce. Ah, la bougresse. C'est une immense bacchanale. Et Vénus fait une sastaté. Anime la ronde infernale. Tous tes plaisirs et voluptés. La tue de roi, honneur moral. Par leur côte, t'es emporté. Ça ne peut pas durer plus longtemps. Au lieu de mimer la pyrrhique qu'autrefois on nous enseigna, danse noble, danse classique, en tout lieu maintenant voilà. On voit une chose excentrique, et sans nom qui ressemble à ça. Oh. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Subir la loi,
il faut subir, subir la loi. Il manque le droit, il manque le droit. Il chancelle, il chancelle. Qu'est-ce que Shakespeare vient faire là-dedans? Aux gens humains, il faut rendre service. Immole-toi quand tu devrais souffrir. Tu sauveras par ce bon sacrifice les bénélas de l'avenir. Aux gens humains, en service. Tu formeras par ce bon sacrifice les bien-hélas de l'âme. Et quelle sagesse que réserve un gros emploi. S'il en faut à la déesse, pourquoi faut-il que ce soit moi? Son mari devrait suffire. Il blasphème dans son délire, il blasphème dans son délire, il blasphème dans son délire. Oh, 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 quand les dieux commandent. Oh, certainement, j'aime bien ma fille Iphigénie, mais enfin, les dieux me la demanderaient. Je leur dirai, vous y tenez, la v'là. Oh, si vous demandez, quelle est ta menestre? Ma femme? Oh, ça c'est autre chose. Vous voyez bien. Ça me ferait un rude plaisir. Oh! Et s'il y avait un autre moyen d'apaiser la déesse? Un autre moyen? Il ne vaudra jamais le premier. Il était si simple, le premier moyen. Vous avez une femme. On vous la demande. Vous la donnez. C'est élémentaire. Alors, vous ne voulez pas m'écouter? Si, mais ça ne vaudra jamais. Vous avez une femme. On vous la demande. Vous la donnez. C'est élémentaire. Vous avez une femme. On vous la demande. Vous la donnez. C'est élémentaire. Vous avez une femme. On vous la demande. C'est élémentaire. Ah non, non, non! Oui, bon, parlez, parlez. J'ai fait une démarche. Je ne sais pas comment dire. Je connais quelqu'un s'il va bondir. Et pourquoi bondirais-je? Ben voilà. J'ai écrit à Citer. Vous allez voir, il va bondir. Et j'ai prié qu'on m'expédiate ici le grand augure de Vénus. Un grand augure? La concurrence et la liberté des augures, alors! Vous êtes allé bondir. Ah, c'est pourtant vrai, le bondir! Quand vous aurez suffisamment bondi, Calcas, vous tiendrez tranquille. Un autre augure! Et quand doit-il arriver, ce grand augure de Vénus? Si les vents ne sont pas contraires, il doit arriver dans ce moment même.
tout d'abord aux îles multitudes. Sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude d'être si sur un rythme plaintif. Vous auriez déchanté un cœur alerte et vif. Le culte de Vénus fut un peu joyeux. Le culte de Vénus est un culte joyeux. Je suis guerrier, guerrier, il faut que je le veux. Il est sauvé, il faut que je le veux. Je suis guerrier, il faut que je le veux. Il est sauvé, il faut que je le veux. La 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 qui fort état d'être sombre, d'être triste. Mais ces gens-là se trompent lourdement. L'homme vraiment est rempli d'enjoie. Le culte de Vénus est un culte joyeux. Quelle tenue pour un augure ? Vous dites, confrère ? Je dis, quelle tenue pour un augure ? Je suis gai, je suis gai. Vous êtes follement gai, grand augure. Cela nous est recommandé, Acitère. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Vénus est bonne, au fond, elle pardonnera. À la condition que le roi Ménélas fera tout ce qu'il faudra faire. Mais si cependant... Il n'y a pas de si cependant. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On ne vous demandera rien que de très raisonnable. La reine sera seulement tenue de faire un petit voyage à une dizaine de lieues d'ici, à Citerre. À Citerre. Bon, je connais la reine, elle est bien trop bavarde pour Citerre. Elle viendra avec moi sur la galère de Vénus et de sa main sacrifiera 100 génisses blanches à la déesse. Mais la bonne heure! Mais qu'est-ce que je demande, moi? Que tout s'arrange! Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Que la reine sacrifie 100 génisses blanches et fasse un petit voyage à Citerre? Eh ben la reine fera un petit voyage à Citerre et puis elle sacrifiera 100 génisses blanches! Et c'est mon peuple qui paiera les génisses blanches! Oui, hélas! Oui, mes enfants, vous les paierez! Ben moi aussi, je suis populaire! Mais c'est bien joli tout ça, mais encore faut-il que la reine consente. Mais où est-elle donc, la reine? Elle boude, elle est dans son boudoir. La voici. Elle vient, c'est elle, elle vient.
grand augure de Vénus. À Cythère, il faudrait vous rendre pour plaire à la déesse et calmer son courroux. Calmer son courroux. Portez-le